Test. Test. Do test, test I do. I test, test, I do, test. Alors, bonjour tout le monde. Bon, mat bon matin à toutes et à tous. Salut. Vous allez bien? Oui, good, good. Merci. Oui, ça va bien. Alors, écoutez, on poursuit l'avancement de notre étude. Euh, je vous rappelle que notre étude se termine au sujet 8, donc ça avance très bien. On entame le sujet 7 aujourd'hui. On va y passer deux cours, deux semaines sur le, le, le sujet 7, qui n'est pas très compliqué honnêtement. Là. Vous allez voir par vous-même. Puis il nous restera le sujet 8 pour terminer. Donc, ça avance rondement. Mais c'est bien plaisant. Pour ma part, je trouve ça bien plaisant. Je trouve que vous travaillez bien. Je vous le répète à chaque semaine, mais c'est important de vous le dire. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. J'espère que ça se passe bien de votre côté aussi. Sinon, je suis toujours ouvert à vous entendre, à vous écouter, puis à, à pouvoir apporter des, des ajustements si vous en sentez le besoin. Mais pour ça, il faut vous manifester. S'il y a des choses qui vous. Si vous avez besoin de, de quoi que ce soit, euh, n'hésitez pas. Donc, on va, on va avoir un cours standard aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous demanderais, s'il vous plaît, de fermer votre téléphone cellulaire, d'accord de le ranger pour la prochaine heure. Alors, merci d'avance pour ça. Si on regarde un petit peu ici notre plan de travail, donc, semaine 11, vous avez vu. Le donc, finalement, je vais vous le montrer dans la table des matières, là, mais le, le sujet 7, on va couper là, à peu près dans le milieu des crédits d'impôt. On va terminer avec les crédits d'impôt pour étudiants. Donc, c'est des, le, 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 des thèmes qu'on va, qu va parler aujourd'hui. Donc, tout le monde a vu le travail à faire avant le cours, j'imagine. Euh, je vous rappelle aussi qu'à chaque semaine, hein, l'enregistrement du cours, pardon, euh, la semaine, disons, la semaine passée, la semaine 10, je vous rappelle qu'à chaque semaine, vous avez accès à l'enregistrement du cours directement ici dans le plan de travail. Donc, il y a des, des étudiants des, qui m'ont écrit qu'ils cherchaient l'enregistrement. Donc, ce n'est pas sorcier. Là. Donc, euh, si tu veux, si tu as manqué le cours 10, ben, tu viens dans le plan de travail dans la semaine 10. L'enregistrement est là avec le mot de passe pour, euh, pour t'y connecter. Donc, c'est comme ça à chaque semaine. Je pense que vous le savez. Donc, il y aura ça avec un petit, un petit jeu k en fin de journée. N'oubliez pas les questionnaires. Là. Il y en a encore qui, qui réussissent à pas les faire à chaque semaine. Pas beaucoup, là, heureusement, mais on ne peut pas croire que vous passez à côté ces deux points-là. Mais peut-être que, peut que ces gens-là ne sont même pas dans la classe. Là qui viennent peut-être même pas au cours, là, mais sinon, c'est bête de passer. C'est bête de ne pas aller chercher ces deux points-là, qui sont entièrement gratuits. Là, tout le monde va les chercher, vous le savez. En plus, ce n'est pas du temps perdu. Vous, pendant que vous faites ça, vous ne perdez pas votre temps, c'est de l'étude. C'est comme de l'étude payée deux fois. L'étude, euh, Je ne sais pas si vous voulez vous payer deux points pour étudier et vous garder à jour, mais c'est ce que je fais. J'avais déjà expliqué mes motivations. Je crois que c'est une bonne chose à faire, mais c'est gagnant-gagnant. Vous êtes en train de l'étude en moins que vous aurez à faire, aurez à faire pour l'examen final. Et bien sûr, on a les, les problèmes à résoudre après le cours. Euh, avant qu'on s'attaque au, au sujet de la journée, est-ce que vous avez des questions? Par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, la semaine passée. C'est un gros sujet, c'est une passée, je vous l'ai dit, là, la fameuse déduction pour gain capital. Oui, on a fait un problème ensemble, celui de Louis Gautier, où on a fait un, pour une première fois un calcul de, de déduction pour gain capital, mais ça vaut la peine de se pratiquer. Il y a du stock là-dedans, les, les définitions sont, euh, sont pleines de nuances. Je suis allé à l'essentiel, moi, comme je fais souvent dans, dans le cours. Le, le, le but du, de, du le premier cas qu'on fait ensemble dans la journée, la première fois que vous touchez à un sujet, ce n'est pas le temps de vous assommer avec une tonne de détails, d'exceptions, de nuances, mais il y en a. Puis pour les, pour les trouver, il faut aller dans la BQ en fiscalité. Parce que sinon, à l'examen, il va y avoir une petite nuance de différente dans un problème de DGC, par exemple, déduction pour gain capital. Une petite nuance, une petite chose différente que si tu t'es pas pratiqué, tu n'as pas compris ces nuances-là, ça va te débalancer ça va faire, tu, vas, tu vas passer à côté du problème. D'accord? Donc, les pratiquer, dites-vous que c'est toujours, tous les sujets sont toujours une coche plus compliquée que ce que je présente en classe. Mon but, quand je le présente en classe, c'est de vous donner confiance, de vous dire, ah, oh, c'est pas si pire, c'est à ma portée, mais il manque des nuances, il manque des exceptions. Il faut aller les chercher dans les problèmes à résoudre. Il faut aller les rencontrer, ces choses-là, ces, choses ces nuances-là, euh, après le cours. Si vous ne le faites pas, je l'ai assez répété, c'est à l'examen que ça va. Vous allez, vous allez pour la première fois constater que ça ne marche peut-être pas comme vous le pensez, un calcul de déduction pour gain capital, à titre d'exemple. OK. Donc, ça, ça c'est des choses je vous dire, il se radote. Il là. Tout déjà dit ça. Donc, euh, on s'attaque au problème, euh, pas au problème, mais à la su au sujet du jour. Sujet 7. Donc, euh, je vous montre ça rapidement, puis très vite, on va aller dans la. Très vite, on va se ramasser dans, notre, euh, dans nos problèmes à résoudre. Donc, vous vous rappelez la structure d'une déclaration de revenus. La première partie, c'est le calcul du revenu que j'illustre en bleu avec le jeu de couleurs. Ensuite, calcul du revenu imposable et finalement, le calcul de l'impôt qui est en rose. Donc, on est supposé de voir chacune des lignes une par une. Je vous rappelle, revenu d'emploi, c'est réglé. On a vu ça en fiscalité, le sujet 4. Revenu d'entreprise, revenu de biens, je vous ai dit que je reportais ça en fiscalité 2. Autres revenus, autres déduction, on l'a vu, sujet 5. Gain en capital, perte en capital, on reporte ça en fiscalité 2. Perte d'emploi, ça ne se peut pas. Perte d'entreprise, c'est le contraire d'un revenu d'entreprise, donc c'est le miroir de, du revenu. Puis la PDTPE, je vous rappelle que c'est une sorte de perte en capital qui est déplacée. On va en parler en fiscalité 2. Le calcul du revenu imposable, on l'a vu la semaine passée, sujet 6. Donc dans la partie verte, il y a quelques c'est pas un gros sujet la semaine passée là, en nombre. Là. Il n'y a pas grand déductions qui peuvent se placer dans la section verte. Donc entre autres, la déduction pour gain capital se place là si tu veux la réclamer. Et entre autres, si tu veux utiliser tes banques de pertes. Si tu as des pertes hautes en capital en banque et tu veux les utiliser, ça se passe là. Si tu as une banque de pertes en capital net disponible et tu veux les utiliser en, 2001, en 2021 pardon, ça se passe dans la section verte. Tu vas les déduire ce montant-là dans ta partie verte. Ce qui nous amène à la dernière partie, c'est pour terminer le sujet de l'étude du cours, bien sûr, le calcul de l'impôt. Donc, vous l'aviez déjà vu sommairement. Dans le sujet 3, là, au, tout départ, au tout départ, quand je vous avais présenté la structure d'une déclaration de revenus, je vous l'avais déjà montré, je prends le temps de vous le remontrer, mais là, vraiment, on ne surfera pas sur le sujet, là, on va aller à fond. Donc, euh, pour les deux prochaines semaines, il faut vous développer une capacité à, à calculer avec exactitude un, un impôt. Là, la partie rose, là, puis on ne peut plus surfer et dire ah, c'est à peu près comme ça que ça marche il faut vraiment aller le faire comme il faut. Mais j'attire votre attention qu'il y a cinq grandes étapes là-dedans. C'est toujours vrai. Première étape, donc le, ce, ce, ce petit tableau-là prend des chiffres bidons, là. On fait semblant qu'on a un revenu imposable de 179 450, d'accord Donc à la sortie de la partie verte, donc notre partie bleue est complétée, notre partie verte est complétée, on affiche un revenu imposable de 179 450, disons, pour illustrer le, le propos. Première étape, il faut appliquer les tables d'imposition. Donc ça, c'est encore des tables fictives. Dans deux minutes, vous allez voir les vraies tables d'impôts. Donc, euh, on applique les tables d'imposition parce que les taux d'imposition sont progressifs. Plus tu augmentes dans les tranches de revenus imposables, plus ton revenu imposable augmente finalement, plus ton taux d'impôt va augmenter. Donc, avec ces tranches-là tranches qui sont fictives, ça voudrait dire que je décompose ici mon revenu imposable de 179 450, je le décompose en tranches. Tout mon revenu imposable qui se situe entre 0 et 50 000, on l'impose à 15 le revenu, la tranche suivante, tout le revenu imposable se situant entre 50 et 100, donc il y a encore 50 000 dans cette tranche-là. Ce deux, cette deuxième tranche-là, on l'impose à 20,5 Troisième tranche, tout le revenu imposable se situant entre 100 et 150, il y a encore 50 000 de revenu imposable dans cette tranche-là. Dans cette troisième tranche-là, on l'impose à 26 Tout le revenu imposable se situant entre 150 et 215 000. Vous voyez qu'ici, je vais arrêter à 179 Donc finalement, 179 moins mes trois premières tranches que j'ai déjà imposées. Je vous rappelle que je viens d'imposer trois tranches de 50 000 chacune. Donc 179 moins mes trois premières tranches déjà imposées. Il reste 29 000 qu'on impose à 29 Donc dans le fond, vous voyez que j'ai reconstitué mon 179 450, mais en le décomposant en quatre tranches et surtout en lui appliquant les taux d'imposition propres à chacune des tranches. Ça donne 39 000 euh, ici d'impôts à la sortie de la table. Donc ça, ce serait l'impôt qui serait payable, si ce n'était de, de la suite, bien sûr, des choses là. Et Bien sûr, cet impôt-là va être réduit. Réduit par quoi Des crédits d'impôt. Deuxième étape, il y a une série de crédits d'impôt personnels. On va commencer à les étudier aujourd'hui. Il y a une vingtaine de situations dans la vie où le gouvernement a décidé de vous donner des allègements fiscaux sous forme de crédits d'impôt. Donc le gouvernement décide, peu importe ses motivations, que si vous êtes étudiant, ça mérite qu'on réduise votre impôt. Que si vous êtes une personne âgée, ça mérite qu'on réduise votre impôt. Que euh, si vous vous occupez d'une personne à charge ou d'une personne handicapée, ça mérite qu'on réduise votre impôt. Une vingtaine de contextes qui n'ont aucun lien entre eux. Cherchez pas de fil conducteur. C'est au gré des humeurs du gouvernement qu'on met en place des crédits d'impôt pour aider certaines, certaines personnes dans certaines situations. Donc une vingtaine de crédits d'impôt qui, pour la plupart, sont des montants qu'on fractionne par 15 les crédits d'impôt sont à peu près tous toujours fractionnés par le plus petit taux de la table. Donc, tous les crédits d'impôt, c'est des, des montants qui sont accordés fois 15 Donc, on va les voir. Admettons que je me qualifie à, je sais combien ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crédits d'impôt. Personne ne peut se qualifier à 20 ou 20 crédits d'impôt, c'est impossible. Tu aurais une vie rocamboliste si tout ça s'appliquait euh, dans ta peau à toi. Donc, ici, j'ai huit crédits, comme vous pouvez voir, qui totalisent 5 000 à peu près. Ici, 4 000 Donc, ça va venir réduire mon impôt à 34 000 Troisième étape, l'abattement d'impôt du Québec. Donc, donc euh, je vous rappelle que la province de Québec demande au fédéral de ne pas percevoir l'impôt des Québécois de la province de Québec, que le, le, la province veut faire sa propre perception d'impôt provincial. On en a déjà parlé. Donc, le fédéral va. Réduire l'impôt pour tous les Québécois. Donc, ça, c'est une ligne qui existe seulement dans un rapport d'impôt de Québécois. On va, donc, 16,5 du sous-total qui est ici. Ça, ça s'appelle l'impôt fédéral de base. Donc, on coupe de 16,5 le, le montant auquel on est rendu. Donc, on va faire une place ici, si vous voulez, de 5600. On va réduire l'impôt de 5600 pour la raison que je vous explique à l'instant. Quatrième, il y a D'autres crédits d'impôt qui viennent se placer après l'abattement. Pour vrai, il y en a un. On va le voir euh, la semaine prochaine, je pense. Là. Il y a un seul crédit qui se place après l'abattement d'impôt du Québec, c'est le crédit pour contribution politique. Donc, faut, techniquement, il faut aller le placer après. Il ne faut pas le mêler avec les autres et aller le placer avant. Ça n'a pas la même valeur. Un crédit de, techni, techniquement, un crédit d'impôt personnel qui est placé avant l'abattement, tous ces montants qui sont là, ils vont perdre 16,5 de leur valeur parce qu'ils vont être fractionnés par l'abattement. Alors qu'un crédit que tu places après l'abattement, lui, il est brut, il ne sera pas réduit par l'effet la, par de l'abattement. Donc, c'est un choix du gouvernement d'en de, placer quelques-uns la, la, après l'abattement pour leur donner plus de valeur. Dernière, donc vous arrivez, admettons, à 27 000 ici. Donc, le chiffre, le 27 000 ici, c'est vraiment 27 700 c'est vraiment la dépense d'impôt finale. Après tous vos allégements, euh, vraiment, vous êtes rendu à la toute fin du rapport d'impôt. Dernière étape, est-ce que je dois vraiment envoyer un chèque de 27 000 d'impôt quand j'envoie ma déclaration de revenu au gouvernement? Non. Il faut, faut considérer tout ce que tu as déjà envoyé en impôt. Donc, dernière étape, va voir tout l'impôt que tu as déjà envoyé au gouvernement. Sur tes salaires, à chaque deux semaines, ton employeur a envoyé de l'impôt pour toi au gouvernement. Si tu es un travailleur autonome, tu as possiblement fait des accomptes provisionnels qui sont des paiements d'impôts que tu as déjà fait. Donc, si tu en as déjà envoyé pour 25 000, ben, tu comprends que tu en dois seulement 2 700. Un autre scénario, si tu en as déjà envoyé pour 35 000, c'est beaucoup trop. Ta dépense d'impôt finale est à 27 000, mais tu en as envoyé pour 35 Tu te ramasses donc dans une situation où tu vas avoir droit à un remboursement. Donc, les fameux remboursements au mois d'avril, quand les gens ont des remboursements d'impôts, ça ne veut pas dire qu'ils ne payent pas d'impôts, ça veut juste dire qu'ils en ont beaucoup trop envoyé dans l'année par rapport à leur impôt final. Vous m'arrêtez c'est des questions? Donc, euh, si on va chercher ces étapes-là rapidement dans, la, dans le volume, parce que vous allez devoir les faire travailler avec aujourd'hui. Donc, les fameux taux d'impôt, ils sont là. Laissez faire à la, la, la droite ici. Là. Donc, les fameux taux d'impôt fédéral, ils sont là. Donc, à partir de maintenant, je ne donne plus les taux d'impôt. Vous les connaissez. Donc, en 2021, les, les tranches de revenus imposables se découpent de cette façon-là, d'accord, avec les taux d'impôt qui sont euh, correspondants. Deuxième étape, les fameux crédits d'impôt personnel. Euh, donc, je ne sais pas, j'hésite, hein? je ne sais pas si je vous les montre avec la table des matières ou. Euh, oui, on va vous montrer avec la table des matières, je pense que ça va être plus rapide. Donc, les crédits d'impôt personnel qui nous intéressent aujourd'hui, donc le fameux les taux d'impôt sont ici. Ça, c'est la, la première étape, étape 1. Étape 2, applique des crédits d'impôt personnels. Il y a une vingtaine de situations. Euh, on ne les verra même pas toutes aujourd'hui. Je pense qu'on arrête euh, ici. Donc, crédit personnel de base. Vous irez, vous irez voir les détails dans le volume. Là. Donc, tout le monde a un crédit personnel de base. Euh, je n'ai pas le chiffre par cœur. 13 000 quelque chose. Euh... Ouais. Merci. 13 808 là, fois 15 donc arrondissons là, à peu près à 14 000 Quand je vous disais la semaine passée le, au niveau des reports de pertes, in, tout le monde… Ne, tout le monde paye aucun finalement. Personne ne paye de l'impôt s'il affiche un revenu imposable en deçà du, du crédit personnel de base. Donc, pour faire une histoire courte, la semaine passée, je vous disais viser 15 000 environ. Là. Donc, quelqu'un qui affiche un revenu imposable de 15 000 ou moins. Il va, donc, vous comprenez que son premier crédit d'impôt auquel il va avoir droit, ça va être le crédit personnel de base, qui est aussi d'à peu près 15 000 fois 15 C'est sûr que ce crédit-là, auquel tout le monde a droit, qui, qui, est, qui est perdu si tu ne l'utilises pas. Donc, tu as avantage quasiment à chaque année, si tu es capable de. de, aller, si es capable de si des, si tu veux faire une stratégie et sortir tes revenus imposables de façon stratégique aurais un avantage à afficher au moins 15 000 de revenus imposables à chaque année pour utiliser ce fameux crédit-là. Il, il augmente à chaque année, c'est pour ça que je dis 15 000. Je vais me dire, aurais pu l'arrondir à 14 000. Oui, mais l'année prochaine, il va passer à 14 000 1, 14 000 2, 14 000 4. J'ai fait un gros chiffron. Là. Ça a pas besoin dans, dans, dans la vraie vie, on n'a pas besoin d'arriver pile comme les crédits personnels de base. Donc, si on vise un revenu imposable de 15 000 et moins, je pense qu'on peut vivre avec ce concept-là de dire qu'on ne paiera pas d'impôts parce que le premier crédit va annuler tous les impôts. Sur le premier 14 000, 15 000 Donc, euh, ça, ça, tout le monde y a droit. Ensuite, on accorde un crédit si tu, as, si tu as un conjoint. Donc, si tu es marié ou en union de fait et que ton conjoint ne fait pas de revenus ou peu de revenus, donc, au sens fiscal, tu en as la charge, vraiment au sens fiscal, je veux pas dire que, que, que tu en as la charge, on comprends Mais donc, un, un conjoint qui a peu de revenus, ça, pour toi, ça va te donner droit à un crédit d'impôt. Il y a aussi un crédit d'impôt si tu t'occupes d'une Si tu es sans conjoint et que tu t'occupes d'une personne à charge. Alors, je vais peut-être vous montrer dans un tableau ici, c'est peut-être plus, plus visuel ici. Les mêmes crédits d'impôt, on les a dans un tableau ici. Donc, crédit personnel de base. Là, ici, il y a une partie de, de quatre de crédit que j'ai mis en bleu. Un, deux, trois, quatre. Les crédits, hein, c'est moi qui ai inventé ça, évidemment. Là, la partie bleue, ça, c'est des crédits pour « je m'occupe de quelqu'un ». Donc, euh, le fait que tu aies quelqu'un à ta charge au sens fiscal, c'est comme une personne qui a peu de revenus et qui habite avec toi. Il y a quatre contextes où tu peux avoir droit à un crédit d'impôt pour ça. Je les ai mis en bleu comme pour faire ressortir cette idée-là. Donc, premièrement, le fameux conjoint dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un conjoint où, euh, où tu es en union de fait et ton, ton conjoint fait peu de revenus. Si tu es sans conjoint, tu as le droit exactement au même crédit. On l'appelle pour personne entièrement à charge. Donc, c'est une personne qui serait veuf, célibataire, pas, sans conjoint, mais qui, qui s'occupe d'un enfant, par exemple. Bien, le, même, le, le même crédit qu'on accorde pour un conjoint à charge, qui est un crédit de 13 808, bien, ce même crédit-là, on te l'accorde aussi si tu es sans conjoint. Tu peux donc choisir une personne dans ton, qui est à ta charge et faire comme si c'était ton conjoint, puis réclamer le même genre de crédit. Parce que c'est même un, un crédit qui est payant, ça. C'est un des crédits les plus payants, là, un crédit pour conjoint. Dans le fond, c'est l'équivalent de, de son crédit personnel de base à lui que tu vas aller chercher, si tu as un conjoint qui n'a pas de revenu. Donc, les gens qui sont sans conjoint, ils se disent « Bien là, on pourrait-tu avoir droit à la même chose? Ma vie n'est pas plus facile, même c'est le contraire. Si je suis monoparental, je n'ai pas de conjoint pour m'aider. » Est-ce que je ne pourrais pas avoir droit à la même, au même crédit d'impôt, mais non pas du fait que je m'occupe d'un conjoint, mais du fait que je m'occupe d'un enfant, par exemple. Donc, effectivement, on, on accepte, on recopie le crédit. Puis, pour les gens qui sont sans conjoint, évidemment, tu choisis une personne, pas deux, pas trois, une, et tu prends le crédit comme si c'était ton conjoint. Il euh, y a un crédit si tu t'occupes d'un enfant handicapé de moins de, 10, euh, oui, de moins de 18 ans. Donc, tous les enfants que tu aurais qui ont un handicap, qui sont de moins de 18 ans, 2000 pièces de crédit. 2295 Et il y a un crédit pour aidant naturel. Vous irez voir les critères. Donc, si tu t'occupes d'un proche parent, par exemple, ça peut te donner droit à un de ces crédits-là. Donc, vous voyez, quatre crédits pour je m'occupe de quelqu'un. Ensuite, il y a un crédit si toi-même tu as une déficience mentale ou physique. Donc, là, on n'est plus dans je m'occupe de quelqu'un. Là, c'est moi. Donc, moi, si j'ai un, un déficit, une déficience mentale ou physique, ça donne, des, donne droit à des crédits d'impôt assez importants. Donc, là, 8 800 de base, puis c'est même bonifié si tu es mineur. Ça va être encore plus élevé. Il y a un crédit si tu es une personne âgée. C'est le seul critère, c'est l'âge. De mémoire, c'est euh, 70 ans de mémoire pour avoir droit à ce crédit-là, 70 ans et plus. Donc, personne, dès que tu as atteint un certain âge, il y a un crédit pour ça. Crédit pour les gens qui gagnent un revenu de retraite. Donc, quand tu es à la retraite et que tu encaisses des montants d'un fonds de pension d'employeur, par exemple, tu as le, le, pro, disons, le premier 2 000 parce que ce n'est pas un immense crédit. Tu as, as droit à 2000 de crédit d'impôt dû au fait que tu es un, un retraité. Euh, crédit d'impôt pour les gens qui adaptent leur maison euh, pour. Euh, dans le fond, c'est pour des gens. S'il y a des gens âgés ou handicapés qui habitent à ta maison, puis tu dois euh, adapter ta maison, mettre une rampe, mettre euh, un escalier dans la maison pour permettre. le... le, le, le que, que la personne y vive plus aisément. C'est toutes des dépenses qui sont admissibles au crédit d'impôt. Il y a des limites, là, mais c'est l'idée pour celui-là. Et finalement, les trois derniers qui nous intéressent pour aujourd'hui, parce qu'on va arrêter ici, c'est les trois crédits pour étudiants qui devraient vous intéresser. Donc, quand tu es un étudiant, tu as droit à un, un des deux crédits d'impôt qui, qui, qui sont là. D'accord? Crédit pour faire scolarité, ici, tout le monde y a droit. Donc, quand tu es un étudiant, tu gardes toute ta facture de frais de scolarité. Vous le savez, vous l'avez vu sur votre reçu de, que vous recevez de l'UQTR. Donc, 15 de tous les frais de scolarité que vous payez va vous être accordé en crédit d'impôt. S'ajoute à, à ça, depuis deux ans, un Crédit canadien pour la formation. C'est pour des, plus, des personnes un petit peu plus âgées. Donc, dès que tu atteins 26 ans, tu peux réclamer un Crédit canadien pour la formation qui est beaucoup plus généreux. Ce n'est pas 15 de tes frais de scolarité, c'est 50 de tes frais de scolarité. Donc, c'est clairement plus avantageux d'aller chercher celui-là que celui-là pour tes frais de scolarité. Tu ne peux pas prendre les deux, c'est bien sûr, c'est un ou l'autre. Euh, cependant, il faut avoir 26 ans pour avoir droit au premier, puis il y a des limites. Ce n'est pas 50 de tes frais de scolarité, oui, mais jusqu'à concurrence d'un certain montant, ce n'est pas illimité ce que tu peux aller chercher. Alors que le frais de scolarité ici, le crédit standard, lui, il est sans limite. C'est 15 de toutes tes frais de scolarité. Euh, qui paraît que, mais y a, vous voyez qu'il y a un lien entre les deux, évidemment, qu'il faut faire. Et finalement, dernier crédit pour les étudiants ou pour les ex-étudiants, quand tu as fini tes étudiants, pardon, quand tu as fini tes études, tu vas sur le marché du travail. Souvent, tu commences à rembourser ton prêt étudiant. Donc, ceux qui ont reçu un prêt étudiant du gouvernement pendant leurs études, vous savez qu'on ne vous charge aucun intérêt tant ou aussi longtemps que vous êtes aux études. Donc, c'est comme un prêt sans intérêt. Ça le ce n'est pas, pas comme, c'est ça. Et dès que vous avez terminé vos études, là, il y a, je pense qu'il y a un, petit, un laps de certains, de certains nombre de mois, mais assez rapidement après vos études, l'intérêt commence à, à compter. Là, il y a un compteur d'intérêt qui commence à s'accumuler, puis vous payez de l'intérêt à la banque. Auprès, auprès de qui vous avez euh, emprunté l'argent. Donc, quand vous remboursez la, le prêt étudiant, quand vous remboursez la banque, toute la portion intérêt que vous payez donne droit à un crédit d'impôt. Donc, c'est 15 des intérêts payés. Pas le capital, mais seulement les intérêts. Donc, voilà, c'est les crédits de la journée. On va s'amuser à travers ça, évidemment. Donc, euh, je vous rappelle que je vais vous soumettre le cas à l'instant. Je vous remonte la table des matières. Avec vos. Euh, les, les trois étapes sont quand même importantes pour aujourd'hui. La fameuse abattement d'impôts du Québec ici, en quatre. Les autres crédits d'impôts, en quatre, en, en, pardon, en, trois, en trois, quatre, cinq. Donc, nos étapes sont là. On s'assure de faire les cinq étapes, même si tous les crédits d'impôt, aujourd'hui, il n'y aura pas de frais médicaux. Il n'y aura pas de dons, il n'y aura pas de dividendes, c'est volontaire. Mais euh, on commence quand même à réfléchir à ça comme un tout. D'accord? Donc, vous allez devoir vous intéresser à l'abattement d'impôts du Québec. Aux autres critiques d'impôt et surtout aux retenues d'impôt effectuées. Donc, ça, c'est mes dernières étapes. Des questions? Ça me va. pas. Good. OK. Alors, euh, le problème de, du jour, si on va le voir. Donc, dans votre portail de cours, menu document, il est là, semaine 11. Donc, une petite famille de euh, monoparentale. donc dont une femme qui s'appelle Martine, elle a trois enfants. Donc, euh, Mathis, qui est, âgé de, 20, qui, qui est euh, âgé de 21 ans, qui est handicapé, Cédric, 17 ans, qui est au Cégep. Mathis est à l'université, il y a 21 ans, handicapé, euh, qui souffre d'un handicap. Cédric, 17 ans, qui est au Cégep. Et elle a un enfant plus jeune de 8 ans, Clément, si je ne me trompe pas. Donc, il euh, va falloir que vous fassiez finalement... Le rapport d'impôt pour... Euh, ben, pas pour tout le monde. Oubliez l'enfant de 8 ans là, parce qu'il n'a pas eu de revenus, mais les autres enfants, tout le monde, les deux autres enfants ont eu des revenus. Donc, il faut faire le rapport d'impôt au complet pour Mathis, Cédric et Martine. D'accord? Je dis le rapport d'impôt au complet. On comprend que la partie bleue va être très simple. Il y a juste un salaire. La partie verte, il n'y aura rien. Donc, très vite, vous allez tomber dans la partie rose. C'est ça l'objectif. Et vous allez devoir mettre en application les, étapes, les cinq étapes qu'on vient de voir. Je vous conseille... Ben, je vous en reparle tantôt. Donc, commencez le problème, puis euh, je, je, on s'en reparle tout à l'heure. On va le faire en étape comme, comme on a hab, l'habitude de le faire. Donc, bon travail. Je vous reviens dans cinq minutes. OK, on va regarder la solution de Matisse ensemble. Ce n'était pas si compliqué que ça, mais quand même, euh, c'est le premier. Là, je prendre, on prend le temps de bien le regarder. Je vous rappelle que les crédits d'impôt auxquels Matisse se qualifie, on va aller les voir dans le livre. Okay? Je ne peux pas juste vous dire, je veux pas juste vous pitcher la, la solution, en vous disant ben, il y avait le droit au crédit, Matisse, il est se... handicapé, par exemple, il avait le droit au crédit pour personnes handicapées, voici le montant. Non, non, on va aller voir dans le livre, quoi, les, pourquoi il y avait le droit, c'est quoi les conditions, puis c'est comment se fait le calcul. Donc, pour Matisse, le calcul du revenu, calcul du revenu imposable, ça va assez vite. Vous avez compris que c'est des zéros partout. Donc, la, la table d'impôt aussi, hein, avec des zéros partout. On, à la sortie de la table, Matisse, ici, il y a zéro impôt. Et là, on va s'intéresser aux différents crédits d'impôt auxquels il a droit. Je vous rappelle que les crédits d'impôt, la plupart ne sont pas transférables ou reportables. Donc, la plupart des crédits d'impôt, ils sont perdus. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que, je ben, dis autrement, Ici, là, ton impôt fédéral de base ici, là, il ne peut pas être négatif. Donc, si tu n'as pas d'impôt et tu te qualifies à plusieurs crédits, ce chiffre-là ne tombera pas négatif. Ça ne te donnera pas le droit à un remboursement. Ce n'est pas ça un remboursement. Euh, tu peux pas monner, tu ne peux pas dire mais la valeur de mes crédits, je vais les obtenir en remboursement si je ne les utilise pas. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est jamais, jamais remboursable un crédit d'impôt. La seule utilité d'un crédit d'impôt, c'est ça sert à annuler ton impôt. Si tu n'as pas d'impôt, ils sont perdus pour la plupart. Sauf quelques-uns qui ont dit, OK, eux, ils sont transférables. Mais c'est l'exception. De la règle générale d'un crédit d'impôt, c'est que ça annule ton impôt de l'année, sinon c'est perdu. Donc, comprenez qu'il va à peu près tout perdre, ses crédits, lui, avec, un, avec, avec un zéro revenu, zéro impôt, euh, impôt payable. Donc, le crédit de base, il va être perdu. Euh, il y a deux crédits qui, auxquels, il va pouvoir, auxquels il a droit et qui, heureusement, sont dictés comme étant transférables. Il pourra donc les transférer à sa mère, le crédit pour déficience mentale et physique et son crédit pour frais de scolarité. Donc, son crédit pour euh, déficience mentale et physique, c'est 8 662 fois 15 donc 1 299 qui, faute de réduire son impôt à lui cette année, va être transférable vers sa mère. On regarde ça dans le volume. Le crédit euh, pour, c'est le. Euh, pardon, je ne sais pas. C'est le crédit ici. Euh, pour personne euh, 517, auquel il avait droit. Donc, si on va voir ça, le septième crédit. Donc, euh, crédit pour déficience mentale ou physique. Donc, 15 fois une certaine formule. Ok, Donc, il faut comme résoudre les parenthèses, si on veut, là, de l'extérieur vers l'intérieur. On commence par les, les jaunes, après ça, la, les la, les euh, vers la parenthèse verte, ensuite la parenthèse bleue. Mais bref, faire une histoire courte, 8662, c'est la base du crédit. Tout le monde a droit à ce montant-là. S'ajoute 5053 si es mineur. Donc, une personne qui est handicapée et mineure, ce ne serait pas 8000 son crédit, ce serait 8000 plus un bonus de 5000. Donc, le bonus de 5000, tu y as droit seulement si tu es mineur. Est-ce que pour Mathis, on va lui accorder ce, ce bonus-là? Non, parce qu'il a 20 ans. Donc, Donc, toute la parenthèse verte va donner zéro pour Matisse. Donc, c'est pour ça que ça finit, que c'est 8, 6, 6, 2, tout simplement, fois 15 Donc, si on est mineur, on, on a le droit à un bonus. Puis, ton bonus, quand tu y as droit, je vous le dis pour les fins de, 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 de compréhension, parfois il est réduit. Si on a encouru des, des frais de, de soins ou de surveillance pour un enfant mineur, ça vient en moins, dans, dans, dans son, ça vient amputer son bonus de 5053 finalement. Fait que, bref, c'est juste une petite formule là. Euh, qu'il faut résoudre comme ça là, euh, pour arriver au bon montant. Donc, vous comprenez que pour Mathis, euh, toute cette partie-là ici ne s'applique pas parce qu'il n'est pas mineur. Donc, ça finit que c'est 15 x 8662. C'est ce qu'on a ici. 1299. Je pourrais bien toutes les lire, les autres crédits d'impôt, mais ils ne s'appliquent pas à Mathis. Je ne les lirai pas au complet. Là, il n'est pas, pas une personne âgée. Il ne gagne pas de revenus de retraite, il n'y a pas une personne qui, a, qui, est, qui est à sa charge. Lui-même doit être une personne à charge de quelqu'un d'autre, mais bref, lui ne peut pas prétendre qu'il a des personnes à sa charge, donc ça va assez vite. L'autre crédit auquel il aurait droit, c'est le crédit pour frais de scolarité. Donc il a encouru euh, 2150 de frais de scolarité à l'université, fois 15 c'est 323 de crédit d'impôt, encore une fois qui ne, qui ne lui sert à rien. Donc il le transfère entièrement à sa mère. Donc, la somme des deux chiffres qui sont là, là jaune et vert, 1299,323, c'est ce qui donne le 1622 ici qui va être transférable tantôt dans le rapport d'impôt de la mère. Donc, ces deux montants-là vont apparaître en réduction de l'impôt de Martine tantôt. Le crédit pour fiscalité, si on le regarde dans le volume, un peu plus loin. Crédit personne âgée, ça n'applique s'applique pas. Revenu de retraite, ça n'applique s'applique pas. Soins d'hémisphère. Donc, pour les étudiants, il y a deux crédits. Il y a un crédit pour la formation remboursable qui s'applique seulement aux gens qui ont 26 ans, entre 25 et 65 ans, en tout cas plus de 25 ans. Je vous donne, en reparlerai tout à l'heure. Vous comprenez que Mathis, il n'y a pas droit. Il n'y a, a pas 25 ans. Hein? Mathis, il y a 20 ans. Fait que malheureusement, pour Mathis, ce crédit-là n'est pas admissible. Ça sera l'autre. L'autre qui est à peu près disponible pour tout le monde crédit pour frais de scolarité. Donc, c'est tes frais de scolarité. Le fameux 2000, pour Matisse, le fameux 2150, la mémoire. Donc, le fameux 2150 fois 15 Donc, ici, 15 des frais de scolarité. Il faut retrancher l'autre crédit. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si tu te qualifiais au Crédit canadien pour la formation et que par ce crédit-là, T'empocher un montant important de crédit, mais ce montant-là viendra en moins dans ton calcul de, de crédit pour frais de scolarité. Parce qu'il dit autrement, ici, le crédit canadien pour la formation, on va le voir tout à l'heure, comme je vous ai dit, là, mais le premier crédit auquel on ne se qualifie pas en ce moment, Matisse, parce qu'il n'a pas 25 ans, n'est plus ni moins, le gouvernement vous rembourse 50 de vos frais de scolarité. Ni plus ni moins. Là. 50 de tes frais de scolarité, le gouvernement te les rembourse. Donc, quand tu arrives dans l'autre crédit après, ici, puis, on te dit, bon, ouais, pas de problème, on t'accorde 15 sur tes frais de scolarité payés. Oui, le, moins, le plus important, c'est payer. On est prêt à te donner un crédit d'impôt de 15 sur les frais de scolarité que tu as réellement payés. Si le gouvernement t'a remboursé la moitié de tes frais de scolarité par l'autre crédit d'impôt juste avant, est-ce qu'on peut encore dire que tu as payé 2150? Non, 2150 moins ce que le gouvernement t'a remboursé par le billet de l'autre crédit, ça fait ressortir. Le, le, les frais de scolarité que tu as réellement payés de ta poche, net du remboursement que tu as reçu à l'aide de l'autre crédit d'avant. Dans ce cas-ci, c'est zéro. Là, il ne s'appliquait pas, mais il y a clairement une interrelation entre ces deux crédits-là pour, pour étudiants. Donc, ici, on n'avait pas besoin d'en retrancher pour les raisons qu'on a dites. Euh, qui a droit à des crédits de frais de scolarité? Ça devrait vous intéresser, vous le savez. Donc, tous les, tous les étudiants postsecondaires, sans exception. Donc, aussitôt que tu tu es, tu es un étudiant après le secondaire, donc Cgep, université, même certains cours professionnels donnent droit à ce crédit d'impôt-là, qui est somme très généreux. Là, euh, il est très accessible à tous les étudiants post-secondaires. On n'est pas, pas capricieux là-dessus. Donc, 2100, vous prenez vos frais de scolarité que vous payez à chaque année, fois 15 Bien sûr, il faut les réduire du montant qu'on a reçu, qu'on s'est fait rembourser par le gouvernement. Même chose si votre employeur vous remboursait vos frais de scolarité, il faut le réduire. Donc, c'est la même logique. S'il y a une partie de tes frais de scolarité que tu n'as pas payé vraiment parce que ton employeur les a payés à ta place, c'est gentil de sa part, mais ça va venir réduire ton crédit d'impôt parce qu'on veut vraiment faire, on, seulement t'accorder 15 sur la portion que tu as réellement payée toi de ta poche, net de tous les remboursements. Donc, c'est vraiment seulement le frais de scolarité pur hein, qui donne droit au crédit d'impôt. Tu ne peux pas dire, ouais, mais on, il faut que je me paye un logement, fait qu'on va mettre ma facture de logement dans, dans mon crédit d'impôt de 15 ça ne marche pas. Ouais, mes frais de stationnement, mes sorties. Non, non, c'est vraiment le crédit universitaire que tu payes. C'est seulement ton frais pour payer ton crédit d'études de, de scolarité à l'université ou au cégep qui est admissible. Ce n'est pas tous les frais connexes qui sont réels, là, qui, sont, qui existent pour vrai, mais ce n'est pas, pas, pas admissible, ça. Donc, pas de frais de transport, pas de frais de stationnement, pas de logement, rien de tout ça. Même pas le, le coût des livres. Ah, oh, mais ça me coûte cher, mes livres. Non, c'est vraiment le frais de scolarité, le frais d'inscription seulement. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec la portion du crédit qui est inutilisable? C'est un des seuls qui est reportable ici. Vous voyez la petite pastille reportable? Donc, il est à la fois transférable, à la fois reportable. C'est à peu près le seul qui est avec, avec celui qui est en dessous, là, qui est reportable. C'est les deux seuls, je pense. Transférable, on voit ça souvent. Reportable moins souvent. Comment vous comprenez la différence entre les deux? Transférable, on, on a parlé tout à l'heure. Reportable, qu'est-ce que ça voudrait dire, reporter un crédit d'impôt oh. ouais, Donc, on le garde pour soi, mais on va l'utiliser dans, dans un autre rapport d'impôt. Donc, ici, on a le loisir. Le, le fameux crédit d'impôt que tu n'utilises pas cette année, tu as deux options. Soit tu le gardes pour toi, puis dans un futur rapport d'impôt, quand tu auras de l'impôt. À payer, tu l'utiliseras ou tu le transfères à quelqu'un d'autre. Ou tu peux faire un mix des deux. Là. Si tu as 2000 de crédit inutilisable pour toi cette année, tu pourrais dire, euh, j'en transfère 1 500 à ma mère et j'en reporte 500 pour moi plus tard. Tu peux tout ce que Tout ce qui est inutilisable pour toi, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec. Y avait-tu des indications dans le cas que Mathis voulait le transférer à sa mère et non pas le reporter pour lui à plus tard? Je n'ai pas remarqué. Je, non, je... On comprend que ça devrait peut-être être dit là, parce que techniquement, il aurait pu décider de les reporter. Donc, ça aurait été plus précis que je vous dise Mathis souhaite transférer les crédits inutilisables à sa mère. Parce qu'on comprend que dans la vraie vie, tu as, as l'option soit de transférer ou soit de reporter. Dernière petite nuance si tu décides de transférer, il y a un maximum. Le maximum que tu peux transférer par année, c'est 5000 000 x 15 Donc 750 Une fois fractionné. Donc, si dans une année, j'ai 6000 000 de frais de scolarité, 6 fois 15 6000 000 fois 15 je n'utilise rien. Ben, même si je veux tout transférer à ma mère, je ne peux pas. Vous comprenez que j'ai dépassé la limite. Donc, 5 000 fois 15 je peux le transférer à ma mère le 1000 restant je vais devoir le reporter pour moi plus tard parce que je ne peux pas dépasser cette fameuse limite de transfert. Non, c'est soit tu soit tu transfères dans le rapport d'impôt de ta mère cette année ou soit tu conserves pour ton propre rapport d'impôt à toi plus tard. C'est les deux seules options. Donc pour Mathis il a décidé de le transférer à sa mère. Vous voyez que c'est amplement en dessous du maximum. Hein? Il n'a pas dépassé le 5 000 fois 15 loin de là. Est-ce qu'il y a des questions sur la résolution de Matisse? C'était facile, Matisse. Très facile. Pourquoi c'était si facile? J'ai commencé par un facile. Parce qu'il n'y a pas de revenu. Il n'y a pas de revenu, il n'y a pas d'impôt. Donc, ce n'est pas, pas dur de calculer la portion des crédits qu'il doit prendre obligatoirement. C'est sûr que c'est zéro. Donc, c'est sûr que tout est transférable à la mère. Mais Cédric, ça va être différent. Cédric, y a il a pile le niveau de revenu qui fait que ça va lui déclencher un peu d'impôts et que ça va vous obliger à aller vérifier combien de crédits d'impôt Cédric doit conserver pour lui obligatoirement avant de penser transférer le reste des crédits à sa mère. Donc, je vous laisse aller. On, s on prend les 20 minutes qui nous restent pour travailler sur Cédric. On fera peut-être la solution après la pause. Donc, Cédric, je pose les deux mêmes questions. C'est quoi son solde dû ou son remboursement? C'est pas ça la, la portion difficile. C'est la deuxième. Cédric, combien il peut transférer de crédit à sa mère? Bien hâte de vous entendre là-dessus. À tantôt. OK, alors on va regarder la solution de Cédric ensemble. Et après, ça va vous laisser le temps. On va s'attaquer au dernier, la dernière partie du problème qui est clairement la plus, euh, la plus complète, qui est de faire la déclaration de la mer. Ça va? Ça va? T'es prêt? Merci. Je de fermer, s'il vous plaît, de fermer votre téléphone. S'il vous plaît, on le, met, on le met dans la poche, on le met dans le sac pour la prochaine heure. Les filles, ça va? Oui? OK, donc, Cédric, si on regarde sa son, euh, son, déclaration de revenus, donc, les cinq premières étapes, on applique la table d'impôt. Donc, sur un revenu imposable de 16 000, évidemment, il y a juste la première tranche, la première partie de la table qui s'applique à 15 2400. Je vous rappelle que le calcul de l'impôt, c'est toute la partie grise qui est ici, en hein, grisonnée. Donc, 2400, c'est le montant qu'on va, qu va réduire avec l'utilisation des nombreux crédits d'impôt. Donc, évidemment, il a droit au crédit personnel de base de 2071. Déjà, 2004-2000, il ne reste pas grand-chose après ce crédit-là de, de base. Euh, je vous montre tout de suite les crédits pour travailleurs dont je vous parlais tout à l'heure euh, avant d'aller à la pause. Donc, je vous disais, à 0 18, point de votre volume. Donc, quand on a été un on a été travailleur, qu'on a gagné du salaire dans l'année, on a automatiquement droit à ces deux crédits-là, soit 15 des cotisations au RQAP, Assurance emploi, et aussi le fameux crédit, crédit canadien pour emploi qui est 15 de 1257. Je vous le remonte dans le volume rapidement. Donc, 5, 1, 18, 15 de toutes les cotisations payées au régime auquel un travailleur doit obligatoirement participer et 5.19 aussitôt qu'on est un employé c'est 15% fois 1257 donc ça c'est automatique donc tout ça réduit son impôt à quel montant c'est ça la question donc ici là volontairement là, je vais venir enlever la, la question des crédits pour frais scolarité juste pour vous montrer sommairement là il a 2400 dollars à payer. Parce que dans le fond, là, à ce stade-ci, la question, c'est il reste un crédit à prendre pour Ma Cédric. C'est son crédit pour frais de scolarité. Mais combien de ce crédit-là il va pouvoir prendre? Est-ce qu'il va pouvoir le prendre en totalité? Pas du tout, comme Mathis, son frère, dans quel cas tout était transféré à sa mère, ou un entre-deux? Est-ce qu'une partie du crédit il va le prendre, l'autre partie il pourra le transférer à sa mère? Je vous rappelle que la règle dit que l'étudiant est obligé de prendre son propre crédit d'impôt tant qu'il a de l'impôt à annuler. Donc, la question, c'est après tous les crédits qu'on vient de voir, il on a on, combien il reste d'impôts? Donc, 2400, moins 2000 ici, moins les petits crédits pour travailleurs qu'on vient de voir ici, là, 10 nanana. Nan, nan, ben, le chiffre en bleu, c'est le fameux impôt fédéral de base, c'est 103 C'est lui le chiffre qu'il faut ramener à zéro. Ce n'est pas le solde dû à la fin. Ce chiffre-là en bleu, l'impôt fédéral de base, 103 piastres, tu dois obligatoirement amener ce chiffre-là à zéro. Tu ne peux pas transférer quoi que ce soit à ta mère ou rapporter des crédits pour toi pour plus tard tant que ce chiffre-là n'est pas à zéro. Donc, vous comprenez que si on va voir son calcul de crédit pour pré-scolarité. Il y en a pour euh, des crédits, il y en a pour 1500. 1500 fois 15 Je ne sais pas comment ça donne. Que je peux me dire ça? 1500 fois 15 hein? 225. Donc, vous comprenez que la réponse ici, ce n'est pas zéro. Je ne peux pas dire il prend aucun crédit, il transfère tout à sa mère. Hein? Mauvaise réponse. Je ne peux pas mettre non plus 225. Je ne peux pas dire qu'il prend tous ses crédits. Ben je vais le mettre en moins, pardon, le moins 225. Je ne peux pas dire ça non plus. Ça va arriver en bas de zéro. Donc, c'est un entre-deux. La bonne réponse, c'est 103. Donc, c'est lui, il prend 103 piastres pile de, ses, de crédits d'impôt pour ramener ce chiffre-là pile à zéro. 103. Pas une pièce de plus, pas une pièce de moins. C'est le chiffre le plus important à trouver dans le problème. Donc 103 de crédit ça veut avant fractionnement, c'est comme s'il prenait 687 fois 15 Donc 687 fois 15 obligé obligé pour Cédric. Le reste, Cédric a le choix. Soit tu le gardes pour toi pour plus tard, Cédric, ou tu le transfères à ta mère. Là, on va le transférer à la mère. Donc euh, le 813 restant, on va le transférer à la main. 813 fois 15 ça fait 122 qu'on va pouvoir transférer à la main. Euh, juste vous montrer le, la fin ici. Donc, tout le monde, quand on a un impôt fédéral de zéro, comme le cas de Cédric, ça ne peut pas être négatif, hein, je le répète, c'est zéro ça. Si on, si, on, si on devait arriver négatif, on met zéro. Ça veut dire qu'il y a des crédits qu'on a, qu a gaspillés qui ne servent à rien. Puis si on ne peut pas les transférer, tant pis, ils sont perdus. Donc là, quand on arrive ici à zéro, puis qu'on constate que Cédric, l'étape numéro 5 ici, c'est de venir retrancher tous les impôts que Cédric a déjà envoyés au gouvernement. Mais quand un étudiant affiche zéro impôt, ça pourrait arriver, hein, ça doit ressembler à ça, votre rapport d'impôt. Je ne vous connais pas là, mais votre impôt fédéral de base devrait être à zéro. Donc, si on constate que dans l'année, tout votre employeur a quand même fait des retenues d'impôt fédéral et qu'il les envoie au gouvernement fédéral parce qu'il est obligé de le faire ben tout ça vous pouvez le récupérer c'est ça un remboursement donc quelqu'un qui devrait avoir zéro impôt à payer à la fin de l'année puis qu'on se rend compte que l'employeur lui a fait payer 725 d'impôt fédéral on récupère la totalité d'où l'importance de faire un rapport d'impôt quand on est un jeune étudiant faites vos rapports d'impôt décl allez déclarer vos crédits d'impôt allez chercher les remboursements auxquels vous avez droit liés par exemple à une situation comme si vous avez travaillé si votre employeur vous a envoyé de, a pris votre impôt de votre argent pour l'envoyer en impôt fédéral. Dans le cas de Cédric, c'est 725. Il peut donc les récupérer au complet. Ce qui crée un remboursement, c'est juste la dernière étape. C'est juste ça qui crée un remboursement c'est avoir plus d'impôts retenus que d'impôts fédéral de base, finalement. Des questions? OK, alors maintenant, on va aller faire le rapport d'impôt de la mère, qui est assurément plus complet. Elle a une vie quand même assez euh, occupée. Donc, euh, je vais vous demander, bien sûr, les deux, ben, je ne vous demande pas je, ici, je ne vous demande pas combien elle va transférer. Elle ne transfère rien, c'est le contraire, elle va recevoir des transferts. Donc, tout le monde comprend que le 1622 ici va apparaître dans le rapport d'impôt de la mère, que le 122 qui est ici va apparaître dans le rapport d'impôt de la mère, plus tous les crédits auxquels la mère a droit. Je votre attention sur une chose avant de vous laisser aller dans le livre. J'en ai parlé à deux, deux étudiantes, Sabrina et sa collègue qui sont juste ici. J'ai le feeling que Martine va avoir droit à des crédits pour Je m'occupe de quelqu'un. Feeling. Ça, c'est les crédits qui sont en vert ici. Il y en a quatre. Okay. Les quatre crédits qui sont en vert dans le tableau, c'est des crédits pour avoir quelqu'un à charge dans sa maison. Il y a une personne qui vit sous mon toit, puis financièrement, elle ne fait pas beaucoup d'argent. Donc, c'est juste ça les critères. C'est qu'on a une personne à charge qui ne fait pas de revenus ou presque pas, qui vit sous notre toit. Puis Martine, elle en a pas mal. Elle a un gars, un gars de 20 ans handicapé. Elle a un gars au cégep, puis elle a un, un, un gars de 8 ans. Puis elle est monoparentale. Donc, j'ai le feeling qu'elle va se qualifier à certains de ces crédits-là. La seule chose que je veux, il y en a quatre. Pour l'instant, oubliez le troisième. Ce que je veux vous, vous dire d'important, c'est la chose suivante. Les trois crédits qui sont là, là oubliez le troisième, OK? Le 1, le 2 puis le 4. Ces trois crédits-là, on ne peut pas les réclamer, on ne peut pas réclamer plus qu'un crédit sur la tête de la même personne. Donc, si je décide, par exemple de réclamer un crédit pour aidant naturel, Martine, parce que je m'occupe de Matisse. Ben, Matisse ne peut pas lui donner droit à ce crédit-là ou à ce crédit-là. Si tu décides que Matisse te donne droit au crédit pour aidant naturel, ben, Matisse tu peux pas en plus, ne peut pas en plus te donner droit à ça ou à ça. C'est une personne à charge égale un crédit. Tu ne peux pas cumuler deux puis trois crédits sur la tête de la même personne. Parce que quand tu lis les conditions, peut-être que Mathis se qualifie à chacun de ces crédits-là. Je suis sûr que ce Mathis se qualifie ici. Je suis sûr que Mathis se qualifie ici. Puis Je suis sûr que Mathis se qualifie ici. Ben, peut-être pas au premier, c'est le conjoint. Mais même s'il se qualifie Mathis, on ne peut pas faire l'erreur de, de réclamer deux puis trois crédits sur la teinte du même Mathis. Si vous mettez Mathis, si Martine réclame Mathis dans le crédit pour aidant naturel, je répète, Mathis ne peut pas donner droit à un autre crédit. Peut-être qu'un autre enfant pourra donner droit à un autre crédit. Peut-être que Clément lui donnera droit à ça ou euh, Cédric. C'est correct si c'est un autre enfant. Donc, un, un, un enfant, une personne handicapée, pas handicapée, mais une personne à charge égale un crédit. C'est ça la règle. Alors, euh, bon travail. Demain vous essayerez d'optimiser ça le plus possible. Quel enfant va être, va être le mieux placé dans quel crédit? Toute, toute euh, la question est là. On en reparle tantôt. OK, si on regarde le rapport d'impôt de Martine. OK, c'est beau. Merci. Première étape, on applique la table d'impôt. Donc, elle avait un revenu imposable de 128 000. Donc, quand on prend un revenu imposable de 120, 128 000 puis qu'on le décortique en fonction des tranches d'imposition en vigueur, on devrait arriver à 25 000 à peu près. Alors, 25, 92 d'impôt. Ensuite de ça, le droit, bien sûr, euh, aux différents crédits d'impôt. D'entrée de jeu, je ne les réexplique pas, là. Vous, vous voyez les jeux de couleurs où vous, vous allez voir apparaître les deux crédits que ces deux enfants lui ont transférés, donc le fameux 1622 et le 122. Là. Euh, ils sont ici. Là, là. Ben, la somme des deux, ça donne à peu près euh, 1008, vous retrouvez ça. Ici. Okay. Donc, ça, c'est les, les crédits pour frais de scolarité reçus de ses deux enfants, et ça, c'est le fameux crédit pour personnes handicapées reçu de Matisse. Donc, ça, c'est réglé. Pour le reste, elle a le droit, bien sûr, à son propre crédit de base. Ensuite, il y a des crédits, je le disais tout à l'heure, quatre crédits en bleu. Il y en a un que je n'ai pas mis parce que euh, le premier des quatre, c'est pour avoir un conjoint sans revenu ou avec faible revenu. Elle, elle n'a pas de conjoint, c'est réglé. Il en reste donc trois. Il y a trois crédits pour je m'occupe de quelqu'un. Idéalement, ça serait de pouvoir avoir droit à un, plus qu'un crédit, en tout cas, ou avoir le droit à un crédit pour le maximum de mes enfants. Euh, D'entrée de jeu, je vous, elle, a, elle a un enfant au cégep. Cédric, je ne sais pas il y a quel âge, Cédric? 17 ans, en pleine forme. Cédric, ça me surprendrait qu elle lui donne droit, que Cédric lui donne droit à un crédit. Okay? Mais pour les deux autres, il y a sûrement moyen d'aller chercher un crédit pour un enfant handicapé, Mathis, puis pour son enfant de 8 ans qui n'a pas de revenus. Euh, on a un crédit ici qui est équivalent du montant pour personne entièrement en charge. Je vais aller vous le montrer dans le volume. Il y a aussi un crédit pour aidant naturel qui serait possiblement euh, possible de réclamer. Le crédit pour personne entièrement à charge, je vous montre dans le volume, le premier. Donc, le premier crédit dans la section, là, je m'occupe de quelqu'un, à part le crédit pour conjoint. Crédit pour personne entièrement à charge. Donc, c'est pour une personne. Donc c'est pour une personne qui est sans conjoint, je l'expliquais tout à l'heure, et qui va qualifier une personne à ce crédit-là, soit un enfant mineur, un enfant majeur handicapé ou un parent grand-parent qui habite avec moi. Donc Martine pourrait qualifier euh, son enfant Clément, pourrait qualifier aussi techniquement son enfant de 17 ans, puis pourrait aussi qualifier euh, son Mathis, son enfant majeur handicapé. Les trois se qualifient. Si elle le souhaite, Faut, elle peut juste en prendre un. Puis, dans la formule, comme vous pouvez voir, c'est 13 808 moins le revenu de la personne en question. Ce crédit-là, c'est de loin le plus payant. Vous allez voir le crédit pour aidant naturel, ce n'est pas 13 000 de crédit, c'est moins que ça. C'est vraiment le plus payant. Donc, on aura avantage à l'optimiser, ce crédit-là. Puis, vous comprenez que stratégiquement, chaque dollar, la personne que je vais choisir, si elle fait du revenu, cette personne-là, chaque dollar de revenu qu'elle fait, ça me fait perdre mon crédit. Donc mon enfant de 17 ans, il fait il, combien de revenus qu'il fait mon enfant de 17 ans 16 000 ça ouais, fait que déjà, ça ne donnerait rien parce que ton crédit serait, il tomberait à zéro. Cet enfant-là a trop de revenus. Mathis, il y a pas de revenu. Puis Clément, il y a pas de revenu non plus. J'ai raison. Donc on aurait avantage à qualifier soit Mathis, soit Clément. Puis dans les deux cas, ça va donner un crédit optimisé de 13, qui ne sera pas réduit par le revenu de l'enfant en question. Si je prends euh, Matisse, mon enfant handicapé, ben Matisse, je ne peux pas le reprendre à aucun autre crédit. Donc, rendu ici, Matisse, je ne pourrais pas le réclamer pour mon crédit d'aide naturel. Tantôt, on va aller le voir, ce crédit-là, mais ce crédit-là, il vise le fait qu'on s'occupe d'une personne handicapée. Donc, si vous comprenez que stratégiquement, je suis mieux de mettre Clément ici pour pouvoir mettre Mathis ici. Si vous mettez Mathis ici, malheureusement, Mathis, vous ne pourrez pas le remettre ici. Puis Clément ne donne pas le droit non plus au crédit pour aide à naturel. Il n'est pas, pas handicapé, Clément. Donc, stratégiquement, c'est la chose la plus logique à faire. Donc, je vais réclamer mon fameux 13 808 moins le revenu de Clément. Donc, un gros, gros crédit de 2071. C'est énorme pour Clément. Ensuite, on va réclamer... Comme j'expliquais, crédit pour aidant naturel pour Matisse. Si je vais voir la formule dans le livre de ce deuxième crédit-là, ici, donc c'est 15 de 7 300. Donc c'est moins intéressant que le fameux 14 000 de tantôt. Qui se qualifie à ça? Ben ça prend euh, une personne qui remplit toutes les conditions donc majeure handicapé, puis qui est dans ma famille. Donc, vous voyez que, euh, donc dans, qui, un, ici, un enfant, là. Donc, Mathis, je le qualifie. Clément, il ne se serait pas qualifié ici. Il n'est il pas, pas handicapé. Donc, faire le contraire, ça ne va pas une bonne stratégie. Donc, c'est 13 000 moins la lettre E. La lettre E, c'est le revenu de Mathis qui excède 17 000. Mathis, il n'y a pas de revenu. Donc, la lettre E vaut zéro. On ne perd pas de crédit. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je disais dans l'autre crédit, chaque dollar de revenu que fait la personne me fait perdre un dollar de crédit. Vous rappelez-vous l'autre formule? Ici, là. Euh... Donc, si une personne fait 1000 pièces de revenus, je perds 1000 pièces de crédit. Alors que dans mon crédit, pour être naturel, il y a une zone de tolérance. Ça ici, c'est une zone de tolérance. Tant que mon enfant fait 17 000 de revenus ou moins, je ne perds pas de crédit. C'est ça? C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, c'est intéressant, si j'ai un revenu, un, un enfant qui fait quand même pas mal de revenus, disons 15 000, je ne perdrai pas un sou de crédit ici, parce que ma lettre E vaudrait quand même zéro. 15 moins 17, la lettre E vaut zéro. Puis la lettre E, c'est ce qui m'handicape dans mon crédit. Donc, il y a une espèce de zone de tolérance où l'enfant peut quand même faire des revenus ici, alors que dans le précédent, il n'y a aucune zone de tolérance. Chaque dollar de revenu de la personne me fait perdre un dollar de crédit, qui, ça aussi étant dit, est quand même un crédit plus généreux. Le dernier crédit pour je m'occupe de quelqu'un, ici, Martine, il n'y avait pas droit, c'est le troisième, c'est pour des personnes mineures et handicapées. Donc, c'est un tout petit crédit, ce n'est pas beaucoup, là, 2200 pour chaque enfant mineur et handicapé. Donc, euh, Martine, elle a plein de choses dans sa vie, mais elle n'a pas d'enfants mineurs et handicapés. Elle a Mathis qui est majeur, elle a Clément qui est en plein, mais qui n'est pas handicapé, puis son enfant Cégep non plus. qu'elle n'a pas d'enfants mineurs handicapés. Donc, pour, pour Martine, il n'y a pas possibilité de réclamer ce crédit-là ici. Est-ce que ça va pour le crédit de Je m'occupe de quelqu'un? Oui, c'est bon. Pour le reste... Euh, Martine n'est pas déficiente mentale ou physique elle-même. Ça, c'est le crédit pour je suis déficiente mentale ou physique. Il n'y en a pas pour elle. Euh, bon, elle n'est pas âgée, pas à la retraite. Elle-même n'est pas allée aux études, mais elle a reçu des crédits, de ses, des transferts des crédits de ses deux enfants. On l'a vu tantôt. Euh, toujours les crédits pour travailleurs. Donc, euh, comme elle a été. Euh, je vais vous le montrer. Euh, elle, on vous disait qu'elle avait contribué au maximum à chacun de ces trois régimes-là. Les maximums, vous les avez dans le volume. Donc, le fameux crédit à 0.18. Oui, je vais te répondre dans deux petites minutes, là. Donc, ici, les montants maximums, vous les avez en bas, ici. Donc, le plus, le plus qu'une personne peut payer à la RRQ, RQAP puis Assurance emploi, vous les voyez là. Donc, les gens qui font des, des gros salaires, à un moment donné, ils payent, ils, arrêtent de, ils ont atteint les montants maximums dans ces régimes-là. Donc, le crédit, bien sûr, c'est 15% des montants maximums qui sont là. Tu avais une question Mais, Oui. Mais ces deux crédits-là, est-ce que, es, est que tu sais d'où ils viennent Tu te rappelles qu'on les a vus tout à l'heure donc, tu t'attendrais à retrouver, toi, ces deux crédits-là transférés, c'est ça? C'est la même chose, c'est juste qu'ils sont répartis autrement. Ça fait quoi la somme des deux? 1744, la somme des deux. Puis la somme de ces deux chiffres-là, ça donne quoi? La même chose. Ils sont juste répartis autrement. Si c'est par enfant, alors qu'ici c'est handicapé ici, les deux crédits de scolarité ici. C'est juste la même chose. Euh, où ce quel chiffre tu me parles Vert. Mais peu importe, euh, on en reparlera après mais -tu de, si tu, -tu ça c'est les deux, si tu me dis je m'attendais à recevoir 1744 de transfert, puis je te réponds il y a 1744 de transfert. Arrête-toi à ça, je te conseille. Pourras, ça, c'était les, les crédits de scolarité. Mathis avait payé 2150 de frais de scolarité qu'il n'a pas utilisés. Cédric, 813 de frais de scolarité qu'il n'a pas utilisé. Ça venait de leur solution à ces deux enfants-là, fois 15 Puis ça, c'est le fameux crédit pour personne handicapée. Bonne question. Autre chose? Donc, j'allais vous dire... Euh, les crédits pour travailleurs, c'est les fameux maximums qu'on qu vient de voir dans le livre qu'on a appliqué pour Martine ici, fois 15 et le crédit pour emploi, 1257 fois 15 Donc, 25 000 moins crédit de base, moins crédit pour je m'occupe de Clément, moins crédit pour je m'occupe de Matisse, moins les transferts que j'ai reçus de mes garçons, autant en vert qu'en jaune, moins mes trois crédits. De travailleurs moins mon crédit pour emploi, ça vous donne un impôt fédéral de 17 000. Donc, 17 339, c'est ce qu'on appelle l'impôt fédéral de base. On, étape suivante, l'abattement d'impôt du Québec, on enlève 16,5 de ce, ce chiffre-là. Donc, on enlève 2008, ça chute à 14 000. Étape suivante, crédit pour contribution politique, qui se place après l'abattement. On va en reparler la semaine prochaine. Donc, son impôt payable, c'est 14 500. Pardon. Donc, Martine, son chiffre final d'impôt fédéral, c'est 14 500. Est-ce qu'elle en doit au gouvernement ou le gouvernement y en doit? Mais vérifions. Combien elle a envoyé d'impôts en cours d'année? Elle a envoyé 20 000. Elle en a bien trop envoyé elle aussi. Donc, elle est en situation de remboursement. C'est bon? Bon, on a vraiment décortiqué ce problème-là. Il n'y a pas de doute. Je vais faire disparaître le fichier jusqu'à trois heures. OK. Euh, je vais repasser les crédits un par un avec vous là, rapidement. Il y a des choses que, des crédits qui sont matière à, au cours, bien sûr, qu'on n'a pas eu la chance de traiter dans le, dans le cas. Donc, si on reprend nos crédits un par un, là, ça, je vais y aller rondement. Crédit de base, c'est beau. Crédit pour je m'occupe de quelqu'un, on a fait le tour, là, aujourd'hui. Le seul qu'on n'a pas vu, c'est je m'occupe de mon conjoint. Donc, imaginez que Martine avait été en couple, qu'elle n'a pas d'enfant, puis que son chum ne travaille pas ou fait moins de 13 000 de revenus. Ben, Martine aurait eu droit à ce crédit-là pour avoir un conjoint qui fait moins de 13 000 de revenus. Pour le reste, on les a vus. Euh, crédit, on l'a vu. Déficience mentale, physique, on en a parlé aujourd'hui. Crédit pour personnes âgées. Donc, euh, quand on a dépassé l'âge véné véné vénérable de... de euh, si, ouais, 65 ans et plus. Donc, c'est 7 713, pardon, qui est réduit par le revenu de la personne âgée. Mais il y a une petite formule, là. Il, Premièrement, il y a une zone de tolérance de 38 000. Donc, ton premier 38 000 de revenus, si tu es une personne âgée, ne te fait pas perdre de crédit. Et quand ton revenu excède 38 000, là, tu commences à perdre du crédit, mais il y a un petit facteur ici de 15 Donc, tu admettons que tu as euh, 40 000 de revenus. Donc, tu excèdes dans le seuil de, 30, de 39 000, si j'arrondis. Donc, il y a comme un 1 000. Tu as comme un 1 000 de revenus de trop. Bien, tu ne perdras pas 1000 000 de crédit, c'est x 15 Le taux de réduction, il est x 15 Ce n'est pas si pire. Là. Tu vas perdre 15 de 1 de crédit et non pas le 1 au complet. C'est purement mathématique, là. vous pouvez regarder ça. Autre crédit, je gagne un revenu de retraite. Donc tous les retraités qui gagnent, qui encaissent un revenu de, qui provient d'un fonds de pension d'employeur, ce n'est pas une grosse affaire, c'est 2000 pièces de crédit d'impôt. de, de, de qu'on appelle le crédit pour revenu de retraite. Est-ce que, est -ce que certains d'entre vous se rappellent d'avoir fait un problème dans la BQI en fiscalité, sujet 5, où il y avait un couple Roger et... Euh, il, hein? Roger puis Yvonne, Yvette, je trouve. Roger puis Roger sa conjointe. Bon, puis Roger, il encaissé un montant de fonds de pension important puis rappelez-vous que dans le sujet puis sa, sa conjointe, Yvon, Yvette, je pense, n'avait pas de fonds de pension. Puis Roger, rappelez-vous dans le sujet 5 qu'on peut fractionner hein, le revenu de pension. On peut choisir volontairement de prendre une partie de notre fonds de pension puis de l'envoyer dans la déclaration de revenu de notre conjointe ou, la, ou notre conjointe. Je vous avais expliqué l'avantage de faire ça. Puis dans le problème, il a décidé de faire un fractionnement, puis il a pris 2000. Il a pris 2000 de son gros revenu de fonds de pension, qui était de 50 quelques milles. Il a pris 2000, puis il l'a envoyé dans l'apport d'impôt de sa femme. Je ne dis pas que c'est optimal comme stratégie, mais pourquoi vous pensez qu'il a fait ça? Pourquoi on a avantage minimalement à envoyer 2000 000$ de, de revenus de fonds de pension dans la porte d'impôt de notre conjoint? Ben, c'est pour qu'elle réclame ce crédit-là. Là, en faisant ça, Yvette, tout d'un coup, a pu réclamer un crédit de 2000 pièces. Ça, c'est un crédit sur ton premier 2000 dollars de fonds de pension que tu encaisses. Donc, quand ton conjoint t'en envoie du, du quand il fractionne ton conjoint qui encaisse un, un, réellement un fonds de pension en fractionne une partie vers toi. Autre avantage, c'est que ça, ça permet à deux personnes de prendre ce crédit-là. Donc, et, et le monsieur et la madame ont pu prendre ce crédit-là. Donc, on l'a dédoublé finalement, ce crédit-là, parce qu'on a fait en sorte que Madame gagne un peu de revenus de fonds de pension. Bon. J'en dis pas plus pour ça. L'accessibilité domiciliaire, comme je vous disais, c'est 15 de toutes les dépenses que tu as payées pour adapter ta maison jusqu'à concurrence, pour euh, adapter ta maison pour une, une personne qui est en handicap ou à mobilité réduite, jusqu'à concurrence de 10 000. Donc, une, si tu dois mettre des rampes d'accès, baignoire, voyez un peu, là, toutes les, toutes les, donc, toutes les, tout ce que ça vise comme dépenses admissibles. Euh, finalement, les crédits pour étudiants, je, je finis avec ça. Je dis un mot sur le crédit pour canadiens à la formation. Ce crédit-là, les gars, ils n'ont pas eu le droit tout à l'heure. Hein? Mathis et Cédric, ils ont plutôt réclamé l'autre crédit qui est un petit peu moins payant, qui est le crédit, disons, appelons-le standard, là, le crédit pour frais scolarité qui existe depuis des lustres. L'autre, il est nouveau, ça fait deux ans qu'il existe. Mais Donc, celui donc vous, vous comprenez pourquoi les gars ont dû se rabattre sur le crédit de 15 les, les gars n'avaient pas droit au crédit de 50 à cause de leur âge. Donc, ce magnifique crédit-là, il y a plusieurs particularités. J'attire votre Donc, euh... première particularité, il est remboursable. C'est le seul crédit dans le régime fédéral, dans, le, dans la déclaration de revenus du fédéral, c'est le seul crédit qui est remboursable. Avant, avant la venue de ce crédit-là, il y a deux ans, ça n'existait pas des, des crédits d'impôt remboursables. On, on, on en riait. Ça, le, dans le régime fédéral, ça n'existe pas. Un crédit d'impôt remboursable, ça veut dire que quand tu quand as le droit à ce crédit-là, si tu n'as pas d'impôt à payer, on ne te dira pas de transfert-là à quelqu'un d'autre. Non, non, on va te faire un chèque. On va t'envoyer un chèque du gouvernement du Canada de la valeur de ton crédit. Bang! Donc, ça en est un, ça. Quand tu, si tu as droit à 50 de tes frais de scolarité, disons 2 000 fois 50 tu as droit à 1 000. cest ben quoi? Surveille, ton, surveille ta boîte postale, tu vas recevoir un chèque de 1 000 Vraiment, un chèque sonnant 1 000 Pour vrai, si tu as de l'impôt à payer, on va le mettre contre ton impôt. Mais si on n'est pas capable de le mettre contre ton impôt, on va t'envoyer un chèque ou un dépôt direct. C'est le seul crédit donc, qui, peut, qui va vraiment être monnayé. C'est ce qu'on appelle « être remboursable ». Euh, concrètement, il est limité à notre solde cumulatif. Puis notre solde cumulatif, il ne monte pas vite. Il monte de 250 pièces par année. Puis ça a commencé l'année passée. Donc en 2019, tout le monde a accumulé 250 pièces dans ce compte-là. Vous, vous, moi, tout le monde. En 2000, c'est rajouté un autre 250. Donc on est rendu à 500. En 2021, c'est rajouté un autre 250. Donc on est rendu à 750. Donc tout le monde, cette année, a 750 dans ce compte-là. Et lorsque vous atteindrez 26 ans, vous pourrez réclamer ce crédit-là pour la première fois. Qui va, donc, euh, si vous continuez à attendre, à chaque année, votre solde cumulatif va augmenter de 250 par année. Il va atteindre 1 000, 1 250, 1 500 Et ça va devenir le montant maximum qu'on va vous donner en crédit d'impôt. Donc, euh, on, donc, vous comprenez qu'à 26, donc vous allez pouvoir réclamer votre crédit. Je vais vous garder un petit exemple ici. Euh, Martine, je finis avec ça. Martine, depuis 2019, qu'elle encaisse dans son compte théorique 250$ par année, 2019-2020, 2021-2022. Même donc, on se transpose qu'en 2022. Donc, quatre ans. 2019-2020-2021-2022. Donc, en 2022, son fameux solde théorique est de 1 000 Tout le monde est d'accord avec ça? Voici ce qui se passe en 2023, l'année suivante. Elle réclame des frais de scolarité de 1600 600 Elle a l'âge, elle est assez âgée, là. je ne sais pas si on parle de son âge dans l'exemple, mais on n'en parle pas, mais elle a l'âge pour réclamer son fameux crédit, là, euh, elle, a, elle a 26 ans et plus. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réclamer. Le, mo le moins de 50 fois ses frais de scolarité de 1 600, ça, ça donne 800, ou son solde théorique. Mais son solde théorique, quand? Pas en 2023. À la fin de l'année d'imposition précédente, donc l'état de son solde à la fin 2022. Donc, c'est le fameux fin 2022, ici, c'est le fameux 1000 Pardon. Donc, le fameux 1 000 Donc, le moindre de 50 de 1 600 ou 1 000 Donc, elle va pouvoir réclamer 800$ de crédit canadien pour la formation. Le 800 ça va réduire son impôt. Ça si n'a pas d'impôt, on va y envoyer un chèque. Ça si n'a pas d'impôt cette année, là, Michel, va recevoir un chèque de 800$ par la poste. OK. Maintenant. Est-ce que Michel peut en 2023 aussi réclamer l'autre crédit, le crédit de 15% des frais de scolarité que tu as payés pour vrai? Peut-être que oui, peut-être que non. En totalité, en partie. Est-ce qu'en finalité, Martine s'est fait rembourser au complet ses frais de scolarité? Mais non. Donc, elle a quand même payé une partie de ses frais de scolarité. Donc, logiquement, le crédit de 15%, elle va y avoir droit sur la portion du crédit qu'elle a, pas du crédit, mais des frais qu'elle a réellement payé de sa poche. En finalité, c'est combien ça? Elle a payé 1 600 frais de scolarité, puis elle vient de recevoir un chèque du gouvernement fédéral de 800. Donc, ce qu'elle a vraiment payé, elle, c'est 800. Donc, elle va pouvoir réclamer l'autre crédit, 15%, sur 1800, 1600 600, moins le chèque du gouvernement qu'elle a reçu. Donc, vous l'aviez dit, elle va pouvoir réclamer 15% sur le 800 non remboursé par le gouvernement canadien. Donc quand je vous dis qu'il y avait une interrelation entre les deux, quand on arrive au calcul ici, 15% fois les frais de scolarité, ça c'est le fameux 1600 pour Michel, et de ce 1600-là, combien le gouvernement fédéral te remboursé par chèque 800, enlève-le. Le reste, c'est que tu l'as payé de ta poche. Donc tu auras 15% sur le reste. Des questions? Bien, vous allez, tout le monde comprend que vous allez avoir droit à ça un jour. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes encore aux études à 26 ans. Mais euh, je ne sais pas si, si oui, bien, tant mieux, pour vous, tant mieux pour, pour vous par rapport à l'impôt parce qu'il y aura un beau crédit qui va vous attendre. Bon, ben c'est good.